Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les Dents de la Mer en 4K. Donc c'est un Bostel Books pour son 45e anniversaire. 45 ans après, ils l'ont enfin remasterisé en 4K HDR. Il n'y a pas d'HDR 10+, ni de Dolby Vision, ce qui est dommage. Mais la qualité est très très bonne tout de même. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, bon, on voit bien le requin. Comme ceci en couverture. Et puis, la petite femme qui nage sur la surface de l'eau. Donc, forcément, tu as le requin qui remonte à la surface. À l'intérieur, on découvre des enfants sur la plage. Le disque en 4K. Voilà, on va enlever le disque en Blu-ray, comme ceci, voilà, et voilà, la plage, forcément, les enfants, ils courent tous sur la plage, parce qu'il y a un requin dans l'eau, donc il y a une panique sur la plage, voilà, je vais remettre tout ça. Voilà, donc c'est un très bon film réalisé par Steven Spielberg, sorti le 1er janvier 1976, mais bon, le tournage a été fait en 1975, donc ça fait 45 ans, ce qui est déjà pas mal, mais franchement, ils l'ont bien remasterisé en 4K, avec la pellicule d'origine, ils ont fait un très beau travail dessus, donc je vais vous montrer deux petites images pour vous montrer la différence tout de suite. Donc voilà. D'après ce que vous avez pu voir avec ces deux images-là, la différence entre le Blu-ray et le 4K Ultra HD, il y a quand même une bonne différence tout de même. Mais franchement, c'est un très bon film et la qualité, elle est très très bien. Il n'y a rien à dire. Et sur le son, on est sur du DTS HD Master Audio 7.1. Ce qui est excellent tout de même en VF. Donc il y a du très bon, c'est un très bon son et une très bonne image. Donc achetez-le si vous pouvez en Steelbooks. Je l'ai acheté pour 35 € comme ceci. Donc c'est un peu cher mais franchement ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.